Bonjour. Tu fais quoi toi? Là-bas, il y a des appartements à piller un peu là. Bon, en tout cas, je vais souvent là-bas. Et il y a souvent du monde qui arrive à rentrer chez moi, tu vois. Alors, on va voir s'il y a des apparts qui sont achetés. Tiens, regarde Rodrigo Lopez là. Attends. Normalement, je suis armé. Ah, il y a une maison là. Ouais. Attends. Ah oh, putain, je suis pas armé, j'avais un snipe. Viens, on va s'acheter des armes si tu veux. Non. Bah, comment qu'on y va? Au pied de biche? Attends, il y a peut-être des printers là-dedans. Jean le Coulu, c'est là qu'il habite lui. Ils se sont fait braquer. À mon avis, ouais. Viens, tu sais quoi, on va aller acheter des armes. On va essayer d'aller trouver un vendeur d'armes. Je téléphone à un vendeur d'armes là. Appelez. Allô? Bon bah il répond pas. On va essayer d'aller vers la ville un peu. Tu l'as. T'as pas d'argent là sur le serveur là toi? J'ai 2 000 $. J'ai 200 000 quasiment. Bah, là sur moi j'ai 45 000 mais j'ai encore de l'argent dans la banque. Tu cours pas vite ton bonhomme là? T'es sûr que tu sprintes là? Monsieur? J'arrive. Oui. Bonjour, ce serait possible d'avoir des armes s'il vous plaît? Oui tout à fait. Deux AK-47. Je vais voir ça. Des armes bien lourdes, s'il vous plaît. Non, une AK-47, c'est 3 200. On va en prendre deux, s'il vous plaît. Donc ça fait 6 400, c'est ça? Monsieur, vous pourrez faire un petit truc, parce qu'on vous en prend deux. Bah, 6 300, ça suffit. Ah, merci. C'est sympa, la petite ristourne. Allez-y. Merci. Et l'autre? Non, on y va. Merci. Au revoir. De rien. Eh, tu sais quoi, tu veux pas qu'on aille essayer de faire un tour vers les quartiers riches là? On passe par les entrepôts. Vas-y si tu veux. Tu veux qu'on achète une bagnole? Ça serait peut-être un peu mieux pour se déplacer. Je prends la moins chère, hein. Ouais. 10 000, on achète un quad? Ouais, vas-y, prends le quad. On peut monter à deux dessus? Ouais. Oh yes! Voilà. Oh là là! Oh la conduite du quad quoi! Le quad de la mort qui tue quoi! C'est incontrôlable! Attends, c'est vers où les quartiers riches là? Allez, vas-y, conduis! C'est parti. Et mon bonhomme, il est tranquille derrière. Nickel, genre tout va bien. On arrive avec le quad, on est déjà pas discret. Tu sais, deux voleurs. Qu'est-ce qu'il fait lui là avec sa bombe lacrymogène là? Patrick Malou. En fait, c'est sa maison que je veux braquer. Elle est où sa baraque? Tu sais où elle est? Ouais. Elle est là-bas sa baraque? Ouais. Attends, faut y aller tranquille. Non, t'inquiète, il est pas là. Ouais, mais il y a peut-être quelqu'un chez lui. Attends, moi je prends la K47 direct. Hein. Vas-y. Il y a quelqu'un, tu crois? Je pense pas. Ouais, il doit bien avoir des printers là-dedans, c'est obligé. Quelque chose. Des plantes, non? Attends, il faut faire gaffe s'il arrive pas. Vas-y, attends, je suis en train de guetter là. Non, c'est bon. J'ai totalement vide en bas. Eh, tu sais quoi? Eh, on l'attend chez lui. On l'attend chez lui carrément et on le braque. T'es sûr qu'on a le droit de braquer en tant que voleur? Un voleur dans la vraie vie, ça a bien le droit de te braquer. Puis après tout, si t'as pas le droit, tu prends le gauche? Bah, y'a rien dans sa baraque. C'est vide chez lui, hein. Attends, je voudrais bien qu'il revienne là pour voir là. Moi, je m'en fous, je suis sur le toit. T'es sur le toit là? Ouais. Ah ouais, ok d'accord. Non bah attends, mais c'est qu'il y a un sous-sol là, on n'a pas été voir dans le sous-sol. Si, moi j'y ai tout. Oh merde, je suis tombé. T'as tout fouillé? Ouais, j'y ai tout fouillé. Vas-y, ça sert à rien, j'ai un bouche. Bon, on va aller voir ailleurs. Oh, t'as un grappin? Ouais, il y a un grappin, bah oui. Oh, c'est énorme. Tiens, je vais acheter un grappin. Oh, quel gros riche. Attends, où est-ce qu'il est mon grappin? Pepper spray, c'est ça? Normalement, c'est souhait. C'est quoi ça? Bonjour. Tu fais quoi toi? Je voulais essayer pour voir comment ça marchait. Là, j'ai tout un coup de pied de biche, tu vas voir ce que ça fait. Bon bah ça marche, bah, c'est bon, j'en ai plus en plus. J'en ai plus. Ah bah c'est bête. Ouais, je voulais voir comment ça marchait. Ça fait mal hein. Ah, je l'ai acheté le grappin là. Oh le grappin. Il est resté là-bas le grappin. Ah, il est là-bas, je l'ai. Oh, je l'ai, yes. Ah, c'est quoi, comment ça marche, ça? Attends, comment ça marche? Donne-moi, je sais. Non, c'est mort. c'est mon grappin. Je peux essayer. Bah, attends, bah, déjà que j'ai pas essayé, moi. Tu sais même pas comment ça marche. Et toi, tu sais comment ça marche? Bah, voilà, tu vois, on est deux, alors. Là. Vas-y, essaye. Oh, yes. Yeah. Oh, yes. Là, tu sautes, toi, t'as... Et là, tu essaies de... avec la souris. Ah, ça fait rien, attends, putain. Attends, j'y étais presque, là. Attends. Vas-y, je vais te le passer, tu vas essayer. Franchement, j'y arrive pas. Vas-y, tu vas voir comment c'est galère. Allez, je te regarde.
Ah, fais-moi le malin là. Voilà. Oh, regarde ça. Regarde ça. Comment tu fais? Oh oui. Oh oui. Eh ben en fait M1 c'est mousse 1 souris 1. On se met là. Vas-y. Allez hop. Moi j'achète ce qu'il faut là direct là. Cuisinière, spécial pot, le jar, le pot tout court. Impeccable. Moi je m'occupe du jar et là je fais du pot. Mmh. Muratique acide. Eh ben voilà, liquide sulfure. Hein. T'en as bien 10 à chaque fois. 3. Ouais, j'en ai mis 9, ça suffit. Oh, ouais, merci. Je vais rajouter des liquides sulfure. 1, 2, 3. Voilà, je crois que c'est bon là. Je vais ramener l'autre pot. Je vais le mettre de côté. Hop, je vais même en refaire un. Je vais en mettre un à côté. Impeccable. Bah comment qu'il a volé le machin? Ouah, ça m'a fait trop peur. 2. Le pot. Ah ouais? J'ai cru que c'était quelqu'un qui se volait. Non, non, c'était le pot. Je sais pas pourquoi il a volé d'ailleurs. 1, 2, 3. Tac. Muratique acide. Ok, d'accord. L'autre, elle est partie. Le spécial pot. Il est derrière toi. Le spécial pot, tu l'as mis. Il est là. Ok, qu'est-ce qui manque là? Sulfure. Muratique acide. Merde, j'ai acheté de l'eau moi. Putain, c'est déjà le bordel dans la porte. Bah là, c'est le bordel là. Là, c'est clair. Hein. Ok, il manque du liquide sulfure. Liquide sulfure, il y en a là. Ouais, mais t'en manques beaucoup plus. Merde, tiens, j'en ai mis 2 là. Il en manque combien? Encore 2, je vais en acheter 2. T'en achètes juste 1. Non, non, ah bah j'en ai acheté 2, c'est trop tard. Parce que dans un muratique acide, en fait, il y a 2 litres. Ah ouais. Enlève un pot, le pot qui est cuit. Le pot qui est cuit, c'est lequel le pot qui est cuit? Ça doit être celui-là, celui qui fume pas. Voilà. Putain, c'est le bordel là. Bon, qu'est-ce qui manque? Liquide sulfure. Encore un. Encore un. Tiens, fais voir ta gamelle là. Voilà. Impeccable. Ah, peut-être il en manque encore un. Voilà. Impeccable. Oh, il y a peut-être de la place encore pour mettre une petite gamelle. Voilà. Ce bordel. Eh, tu veux pas qu'on ouvre un peu les fenêtres là? On va s'asphyxier. Tu l'as secoué ça? Attends, j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini? Bon bah, je te laisse. Mets tout ce qu'il y a dedans. J'ai rien pris dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un jar. Double production, c'est ça qui est bon. Il faut racheter un. Ah, bouteille de gaz, ouais. Hop, tac. Bouteille de gaz. On va la secouer un peu. Voilà. Impeccable. Il faut tout secouer là-dedans de toute façon. Très bien. Il est où mon jar là? Water! 4 water, je crois qu'il y a 2 litres hein, par bouteille. Ah non, 3 litres, c'est pas grave, il en restera. Tiens, on va en profiter pour le secouer un peu. Impeccable. Hop là, moi j'ai fini. T'as fini celle-là? On secoue toujours, on sait jamais, ça pourrait faire quelque chose. Alors qu'est-ce que ça dit? Ah bah faut encore check it. Et bah on check it. Impeccable. Attends, je vais voir s'il y a pas un truc qui cuit là-bas. Eh, hey, il manque un pot là. T'as, j'ai enlevé. Ah bah faut remettre des ingrédients dedans. Eh, ça marche à la chaîne ici. Bah moi j'ai plus d'argent. Ah, t'inquiète pas, tu vas te refaire quand tu vas vendre un bol de mètre. Attends, touche pas. Recule-toi. Non, ça passe, pas de panique. Panique pas, regarde, ça passe tout seul. Non, ça passe pas. Bah si. Et voilà. Tu vois, regarde, il y a tout qui cuit là. Alors, on va ouvrir un peu la porte là-dedans parce que... ça commence à sentir la drogue. Oui. Ah bah t'es propriétaire, je peux pas ouvrir la porte. Et bah ça c'est malin ça. Et bah c'est pas grave, j'ouvre le balcon. Attends, je te mets sur la porte. J'irai un peu. Ah. Non. Merde. Oh, merde. Ok d'accord, c'est le bordel. Bah tiens, on va en profiter pour secouer un peu le four. Tiens. Voilà, des fois ça marche bien comme ça. Mais si ça sert, ça fait remuer un peu le gaz qu'il y a dedans. Il chauffe mieux comme ça. Non, il n'y a plus de gaz. Je rachète une bouteille. Voilà, impeccable. Et ben voilà. Il n'y avait pas un quatrième pot? Ah, si. Je t'en ai une besoin. Je suis en train de le remplir. Allez, hop. Moi, je reviens, j'essaie de vendre parce que j'ai plus de thune. Bah, vas-y, moi aussi, je vais en vendre un, là. C'est moi qui ai acheté tout le matos, c'est toi qui vas vendre. J'ai comme l'impression non, de me faire arnaquer, là. J'ai l'impression qu'on me fait une entourloupe, là. Non, la bouteille de gaz. Elle est en train de partir dans le vide, là. Voilà. Nickel, ça le remplit. Mec, tu vas mourir. Ah, ouais. C'est vrai que j'ai faim. T'as des pizzas ou pas? Non. J'ai pas de pizza. Moi, j'en ai une. T'as de la chance. Une seule. Ah, il a pas voulu me donner la mette, hein. Il y a Jean-Ray qui a rejoint.
Turek, lol. Hein? T'as dit genre j'ai fait Turek. Genre Turek. En fait t'es un pèlerin, faut que j'arrête avec des blagues de merde comme ça. Eh ça c'est cool quand même, j'ai fait du progrès depuis la dernière fois au niveau de la mette. Mais attends, mais ça passe pas les 3 casseroles là-dessus là? Enfin les 4 je veux dire. Ah si ça passe, nickel. Oh yes. Les 4 ils sont sur le feu. Par contre je vais racheter une petite bouteille de gaz là. Ça commence à me revenir cher cette affaire là. J'étais parti pour me faire des sous, au final c'est moi qui en dépense le plus. Non. C'est pas vrai ça. Oh là là. Allez hop, je recommence mon truc là. Je vais tout mettre là. Le gars va me montrer où ça se vend. Il t'a parlé le mec? Ouais, je lui ai demandé où ça se vendait. Ouais. Il m'a dit qu'il savait. Je crois que c'est pas loin du Taco Bell. Non, non, c'est à l'autre bout du Taco Bell. On s'est trop mal placé. Je vais remplir ça là. Impeccable. Bon, ça c'est bon. Je vais laisser cuire ça tranquille. Ça, ça se remplit. Ça, ça se remplit. Oui et non quoi. J'en ai acheté une autre qui a une bouteille de gaz. Voilà, ça va peut-être bien la remplir deux fois plus vite là, non? Ah bah oui. Impeccable. Mec, on invite un gars avec nous quoi. Bah vas-y, prends pas mes machins hein. Ouais, je vais dire de s'acheter un autre rapport et au pire il vient me voir. On va faire le ménage un peu là-dedans. Ça, on va le secouer un peu. Des câbles. J'ai eu 15 000 avec le truc. Bon bah ça va. Mais lui il veut... C'est qu'il sait pas comment faire la mettre en fait. Ouais je sais pas, il est comme toi en fait. Bah moi je sais. Ouais mais tu savais pas. Oui je savais pas. Mais maintenant je sais. Ah bah voilà, impeccable, la gazinière elle est à 100%. Vas-y rentre, je touche rien. Comment ça rentre? C'est qui ça? Qui c'est à lui? C'est le gars que je t'ai dit. Salut. Salut. Attention, attention, c'est chaud. C'est très chaud. Tu sais pas comment qu'on fait la mettre? Non. En tout cas, t'as une tête à en prendre. Ton bonhomme, en tout cas. Hein. Ah ouais, direct. Hein. Il a un peu la lèvre... je sais pas comment dire. Un peu de travers, je sais pas si je suis comme ça. Fais voir ta tête, toi. Ah ouais. Ouais, mais c'est bizarre, attends. Vas-y, fais voir ta tête, toi. Pour voir. En fait, ce que tu vas dire, c'est que je t'en ai apporté un fou comme ça. Non, non, lui il a quand même bien plus la lèvre. Oh ouais, il a plus une tête à prendre de la mettre. Hein. Regardez ça, cette tête de drogué qu'il a. Fais E sur ce pot là. E sur ce pot, lequel? Celui qui est devant moi. Le bleu? Celui qui est devant moi là. Ouais. Ok. Je t'ai pas attendu, je l'ai pris. C'est bon. Vas-y, je vais la vendre maintenant. Attends. Eh non, lui là. Moi, je le laisse pas à côté des gazinières. Bon, écoute, moi, je vais vendre la mette. Hein. Je te laisse expliquer. Merci. De rien. Eh, c'est cool, on va être voisins. Tu pourras passer boire le café si tu veux à l'occasion. Ok. Moi, je vais vendre la mette. Je crois que je sais où est-ce qu'elle se vend. Mais je ne suis pas sûr. C'est en haut du parking. Oh, il est là. Il est assis tranquille, acheteur de mettre. Oh oui. Et tu fais E dessus. Il a ben la tête à ça. E dessus. Yeah. Non. 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 Ah mon dieu. Ah il en voulait. Il en voulait. Bah ça m'a rapporté 15 000. Attends, je vais aller espionner le voisin. Je vais aller espionner Jean Ray. Ah il a fermé la clé. Je vais frapper chez lui. Excusez-moi. Attends, tout se passe bien, monsieur Jean-Ray? Monsieur, je veux plus d'ouvrir, s'il vous plaît. Pourquoi tu donnes ça? Parce que je sais rien, il y en a que un. Ah ouais. Tout se passe bien, monsieur Jean-Ray? Non, tiens, un cadeau. Voilà. Alors, on s'en sort? Ah bah, on s'en sort bien, à ce que je vois. C'est super, impeccable. Eh bien, bonne continuation. Ah mince. Voilà. Ferme la clé. Ça va. Tu sais, les voisins qui se font pas confiance quoi. On ferme tous les clés de notre côté quoi. Ah bah c'est bien, ça cuit. Il y a une autre truc d'arche faisant. Parce que moi j'en manque plein. Celle-là là, je la secoue un peu. Il faut que tu la remplisses. Ah faut la remplir. Ah ok d'accord. Bon bah ça sert à rien en fait. Vas-y, moi je vais poser un printer. Hein. C'est
power. Putain, je sais même pas comment qu'il marche celui-là. Je sais pas du tout comment qu'il marche celui-là.